les histoires de la semaine avec Poupi. Il faut suivre l'instant de la vie. Les histoires de la semaine avec Poupi. Social, culturel et politique. Les histoires de la semaine avec Poupi. Les histoires de la semaine avec Poupi. Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Les Étoiles de la Semaine, qui sont émissions qui passent chaque vendredi sur plusieurs plateformes. Il est important pour signaler que l'émission est à présent sur RPTV, dans YouTube, dans Facebook. Nous présentons également chaque vendredi sur Fort Diaspora TV. Émission Les Étoiles de la Semaine également présentée chaque vendredi sur Radio Delta dans New York. Émission est à présenter également chaque vendredi sur WZOP. Qui c'est 92.7 FM et puis également sous 96.1 FM. Donc, je suis capable de constater son émission qui pratiquement arrivée sur un pile monde au niveau audio et au niveau vidéo, qui dit donc dans la radio avec dans la télévision. Nous apprécions différentes plateformes qui ont une opportunité pour nous capables de servir ou bien souvler, desservir et différentes audiences. Émission Les Étoiles de la Semaine, comme son nom l'indique, sont émissions côté que nous voyons regarder sous des mondes qui brillent dans la communauté hein, au niveau culturel, au niveau social ou bien au niveau politique. Nous focus sur la communauté haïtienne, hein, quitte c'est dans le pays d'Haïti, quitte c'est en diaspora. Pour jour aujourd'hui, hein, émission aussi différente des émissions précédentes, nous allons focus sur la célébration de la Journée internationale de la femme qui était déroulée du côté de Miami Springs. Tu as gagné une soirée qui était organisée. Il y a plusieurs intervenants qui te prennent la parole. C'est ton soirée qui te focus sur mesdames avec ça qui a réglé de manière positive dans la société. Nous prenons le temps, aujourd'hui, pour nous faire vivre un reportage complet qui inclut des interviews sur le vif que tu as réalisé. Je te propose, je te tourne. Avocat Fester Pétion et son équipe, t'as rien fait songer que le pari pour gérer tout cas légal qu'a bord tracas, accident machine, vie pite tombée dans le travail, le mort de la loi, arrestation pas comprendre, c'est relé mettre Fester Pétion dans 954-404-7496. Pas occupé zot qui pas parler langue pao et qu'a promettre la communion sans confession, relé mettre Fester Pétion qui saute remporter victoire légale plus passer 2 millions de dollars pour année 2021, sans compter tout un palmarès de victoire devant la loi pendant plusieurs années, relé 954-404-7496, puis une consultation gratis depuis ou bien cas. Et puis tout, avocat Fester Pétion et son équipe, il y a plus passé 60 ans d'expérience dans Claim Adjuster, assurance, medical malpractice, property damage, maison privée, coût business, dossier criminel et l'autre encore. Avantage pour vous, c'est que Maître Fester Pétion, c'est un membre actif de Million Dollar Advocate Forum pour bon service avec victoire cas plus passé 1 million de dollars. Qui dit mieux? Messieurs, dames, depuis ces problèmes légaux qui présentaient dans la vie aux solutions normales sans te faire mal avec Office Avocat Maître Fester Pétion qui est dans 19790 West Dixie Highway suite 701 Aventura Florida en face Aventura Mall. Téléphone 954-404-7496. Ouvert du lundi au vendredi de 8h du matin à 6h du soir. Le samedi sur rendez-vous fermé le dimanche. Maître Fester Pétion et son équipe, c'est victoire garantie dans tout cas légal qu'à votre cas. Termine faut connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304 Pingo Pines, Florida, dans Hampton Business Center, que la Buy Service Tax Resolution pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis. Nous les 954-362-51-99 pour casser un rendez-vous. Dès pour ta recevoir une lettre de IRS qui a demandé règlement taxe, nous les 954-362-51-99. Pierre Philanthrope, de plus passé 25 années d'expérience, n'a représenté client devant IRS. Lui a un master degree en loi en
of Taxation aux États-Unis de l'University of Florida qui s'est offert dans l'école Loi Taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pingo Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant IRS. Pierre Philanthrope, c'est un expert dans taxes qui est capable d'amender tax return qui n'est pas correct, qui a préparé taxi en retard, qui a aidé à gérer tax lien, tax levy, innocent spouse relief, audit ou bien n'importe problème taxi présenté dans la vie. Et si vous êtes un comptable, vous soyez un monde qui fait une taxe dans la communauté et vous avez un ou plusieurs clients qui sont capables de faire une taxe très compliquée, vous êtes Pierre Philanthrope. 954-362-5199, la PDO gérée. Pierre Tax Group, 15800 Pines Boulevard, suite 304 Pingo Pines, Florida, dans Hampton Business Center. Website, pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe résout pour économie de tout repos. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relevez 954-765-6919 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage ou c'est que tu l'as offri le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après tu l'as relé pour plus d'informations dans 954-765-6919. Tu l'as dispensé par des professeurs qualifiés et expérimentés qui y maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui y maîtrise et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'état et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954-765-6919. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Yon l'autre fois encore, amis téléspectateurs, nous apprécions que vous avez été branchés dans l'émission Les Étoiles de la Semaine avec serviteur non Pam Seroupi, côté que chaque vendredi, nous portons pour vous des informations relatives à des Haïtiens qui ont brillé dans le domaine quelconque, dans la communauté haïtienne en Haïti ou en diaspora. Comme nous avons dit tout à l'heure, émission anti-gens différentes des émissions précédentes, nous parlons de focus sur célébration Journée internationale de la femme qui était déroulée dans Miami Springs, c'était vendredi dernier. Nous étions présents, nous parlons de vivre un reportage avec des interviews qui ont été réalisées avec des gens qui ont fait des présentations très intéressantes sur la Journée internationale de la femme. Vendredi 8 mars, qui se passait là, c'est dans Miami Regional University que Journée internationale femme était célébrée dans la ville Miami Springs dans une conférence débat. Premier monde qui te prend la parole, c'est Ophelia Sanchez, CEO président Miami Regional University, qui t'a expliqué l'importance éducation à posséder diplôme universitaire. Bon côté parler, Dr. Isnaldi Denis t'a fait un casser râler sous femme dans la société, alors que travailleur social Catherine Flores t'a détaillé diverses façons que femmes victimes de violence dans la société, journée jeudi. Naomi Dieudonné, qui t'a organisé conférence là, t'a remercié participants et supporters. Dans le finissement de la conférence, là, Naomi Dieudonné, t'es dans le micro, VOA Creole. So, moi-même, moi, c'est un professeur, moi, enseigné nursing, moi, grand maîtrise dans HEFC administration. Moi, t'es parlé sur éducation. Et, Gayoun qui sont chercheurs au cœur, il t'es parlé de la femme et domestic violence. Parce que grand pile monde qui va fin comprendre bien ça que domestic violence, là. So, il t'a expliqué, il y a l'autre dame encore qui est en RN, en nurse, il t'a parlé de empowerment of women. Comment women yon ka sorti from bad to good. Et puis, directeur universitaire qui s'est Miss Ophelia Sanchez, il t'a parlé de Miami Regional University qui sont grand université. Comment ka aide des étudiants haïtiens yo et infiltré dans l'école et Miami Regional University. So, il t'a expliqué différents programmes que yo gen et la PCE, ouais, s'il a gagné plus étudiants haïtiens qui sortent à Haïti, qui viennent. Par contre, c'est possible, ouais, ça la PCE fait pour le moment.
Bon, maintenant, l'expérience, qui est le plus gros challenge que les femmes haïtiennes jouent dans l'État de Floride? Bon, en plus, là, nous n'avons pas de papier parce que l'homme devine, il m'a venu avec visa étudiant. L'homme devine, visa m'a fini, m'a passé en pile, m'a fait 14 ans aux États-Unis sans résidence. Histoire pas moi, je ne fais pas pour me faire louange, je fais toujours pour m'encourager. L'autre fille, pareil, moi. Parce que je fais philosophie Haïti à 18 ans. L'homme vient, il m'a venu avec résidence, je vais aller dans l'université. Sur plusieurs mondes, je vais dire, je vais te cabaler. Je vais aller dans l'université Massachusetts, UMass Boston, pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai eu 2 jeans, 3 maillots. J'ai acheté tout comme moi, c'est l'école que j'ai payé. J'ai eu 2 petits mondes, tout comme un contact, j'ai payé l'école là avec. Égal, si moi-même, je dis que j'ai une maîtrise et presque un doctorat, et en plus, l'autre fille a fait tout. Parce que je ne parle pas anglais, je suis from nowhere, dans quoi des bouquets, ou je viens pour m'exceller comme ça. Je dis bon Dieu merci, et en plus, l'autre fille a fait. Au dernier message, toutes filles qui ont gardé mieux, toutes garçons qui ont gardé mieux, pas quitter le monde découragé. Si nous avons besoin de faire des choses, depuis nous mettre foi nous sous la foi avec bon Dieu, tout est possible. Si nous encourageons, même si nous ne parlons pas l'anglais, si nous voulons prendre 2 jours l'école, allez, ça ne va pas déranger nous. Si nous avons passé Miss Chances, c'est lui qui est CEO et puis honneur Miami Regional University qui est dans Miami Springs, Florida. Well, today is a special day. It's the International Women's Day, so I want to congratulate every woman because the saying at Miami Regional University is saber que se puede, believe you can. Yes, women and men too, but today especially, we take people and help them reach their dreams and change their lives. Miss Chances dit aujourd'hui, elle est content parce que c'est journée internationale de la femme. Elle congratule toutes mesdames qui sont venues dans Miami Regional University. Et elle demande tout le monde pour garder sous Miami Regional University pour voir qui ça y offre dans la communauté. We have a lot of students. We have over 4,000 students at the university. Our biggest school is the School of Nursing. We go from the associate degree, bachelor, master's, postmaster's, and doctoring nursing. We also have a school of business, a school of education, and a school of general studies. Li gagne l'école pour nursing, pour business et tout l'autre programme yo depuis ou relé et y a bon information sur Miami Regional University. So, he asked you if you have Haitian people here. We have a lot of Haitian people here. Our biggest majority are Hispanics, but our Haitian population is growing. We have Haitian alumni that have graduated from all of our programs. We're very proud of the Haitian population. Most of the Haitian students are in the Associate and Bachelor of Nursing program, and they're beginning to get into the Masters of Nursing and the Family Nurse Practitioner. Oui, il y a un programme pour nursing. So, si on veut venir dans le programme nursing, on peut regarder online Miami Regional University et on peut venir dans l'école ça. My message is reach and go for your dreams. If your dream is to be a nurse, we will help you be a nurse. If your dream is to be a teacher, an educator, we will help you do that. If you want to be in business, we will teach you how to do that. So, saber que se puede, believe you can. So believe you can. Thank you, Miss Sanchez. We love you. Thank you. Thank you. Thank you. Donc, le programme nan c'était une opportunité complète pour nous kawe différents secteurs de Floride. OK, parce que ou elle a une université là, gen un pile monde qui universitaire, mais gagne l'église, te gagne différents membres de communauté a, gagne human resources, gagne nursing. C'est une opportunité pour te kawe dans qui niveau la femme toujours engagée dans société a. Nous connaissons que la femme ces jours-ci fait toute qualité bagay, mais ces genre de occasion ça là nous gagne yo. Yo permettre ou vraiment connaître qui especially que nous dans une société américaine, nous une société étrangère. Donc même là que nous dans société étrangère, nous avons opportunité hein, pour nous développer comme nous parce que comme haïtienne par exemple, comme haïtienne, éducation sont point qui très important pour nous dans société haïtienne hein, mais nous avons opportunité pour nous prendre éducation ça pour nous exposer et nous exposer culture nous à travers l'éducation. Donc un programme comme ça son opportunité sincèrement pour qu'awe qui ça la femme haïtienne a réglé boycite en tant que femme. Maintenant qui un challenge qu'on constate que la femme haïtienne gagne dans l'état Floride.
Ah, dans l'État Floride. Bon, est-ce que je suis capable honnête, sincèrement? OK, donc différent parce que moi-même, par exemple, je suis directrice, OK? Directrice donc dans une grande organisation et m'a fait travailler ça pendant longtemps. Donc, j'ai toujours eu l'opportunité pour m'expérimenter différents niveaux, OK, de population, OK? Donc, je suis capable de dire que, par exemple, il y a une série de secteurs qui ne sont pas vraiment hispaniques, ils sont un petit peu difficiles. OK, parce que faut capable comprendre langage là, faut comprendre culture là. OK? Donc femme nan gen doit rencontrer et ce genre de problème parce que s'il pas parler langage là, ben s'il pas comprendre culture là, l'anti genre difficile, OK? Pour le capable mèche, pour le faire face, pour le mèche avec communauté. Donc, sous par exemple, dans une série de communautés dans South Florida, ou capable rencontrer ça. Sous Kounia, on a une série de communautés dans Northern Florida. Ce qui dit qu'on parle Kounia, on parle de Jupiter, on parle de comme si la Northern Florida, Jacksonville, etc. Kounia là, où une population qui vraiment commençait plus mixte, mais plus caucasian, ce qui dit que plus blanc. OK? Donc Kounia là, à cause de ça tout. Qu'on a rencontré en différents niveaux. On parle même parler de mot racisme, mais son mot qui est très réel et dans réalité de la femme par ici. Donc qu'on a là, faut que femme non, il peut rencontrer ce genre de problème. Ok, là pour rencontrer ce genre de problème. Donc qui ça qui est important? Moi-même, je travaille dans toute communauté ça. Faut que c'est éducation qu'on parle métier, c'est lui qui parle les deux. L'homme mettez éducation, mettez langage là. Ou comprendre que c'est pas seulement éducation, faut qu'il y ait présence, faut qu'il y ait langage là, faut qu'il y ait comportement, faut qu'il y ait finesse là, faut qu'il y ait tout son combo lié. Lorsqu'on y a ou prend encore ou fait combo là, qu'on y a become international. Lorsqu'on become international, ou rentrer tout côté. Lorsqu'on y a titre là, ou qu'il y a comportement. Donc ça, tout ça pour dire qui ça? Que nous encourager la femme pour bien éduquer quoi. Nous encourager, c'est ça pour lever culture noire. C'est ça pour lever nous quelque chose à côté nous. Nous besoin pour pays nous, mais nous besoin d'environnement ça. Et là nous environnement étranger, il permet nous à chaque fois que si nous ca faire par ici, nous ca faire là caille tout. OK, donc challenges définitivement sont question de intégration. Intégration qui j'en le fait, li fait à travers ça m'a dit encore, j'aime se dire là, à travers qui j'en ou programmé la vie ou qui j'en programmé tête ou qui j'en programmé présence ou. Donc, là, y'aurait les docteurs intel ou bien là, y'aurait les Fabienne, quel que soit ça, y'aurait les c'est même mon nom représente la femme, lui représente pays, lui représente culture, lui. Donc, on toujours prend son pour représenter tout le bagage ça, the right way. Bon, si on participe dans le programme, je vous dis, à quelle opinion de programme? Non, opinion, moi, ça me content pile parce que je dis à son grand Julien, m'oblige, m'tout profiter de saluer toute femme parce que on connaît femme qui sont pièces importantes liées. Peut-être ça m'a salé tout en grand gens. The International Fathers Association, son Colombie Rassemblement pour 33e édition Father of the Year Event Lan, qui a déroulé à Nessa, samedi 15 juin 2024 Lan, dans le local Tradition Town Hall, qui dans Port Saint-Lucie, Florida. Comme d'habitude, 10 pères de famille à honorer et une là d'ailleurs à couronner père de l'année 2024. Et pour embellir cette soirée, performance live de l'artiste Anna Pierre, Succou Bonbon, Brother Jay, la talentueuse Ange Dorcelli et animation musicale avec ambiance créole jazz band du maestro David Lacombe qui va le faire nous bien danser. Maître de cérémonie, Robbie the Entertainer et Queen Jennifer Lovelace. Rendez-vous cassé avec la fête des pères, samedi 15 juin 2024, de 7h du soir, 1h du matin, dans Tradition Town Hall, qui est dans 10799 Southwest Civic Lane, dans Port Saint-Lucie, Florida. Admission, $100 par personne, dîner complet inclus, live entertainment, messieurs, dames. Ticket en vente à l'avance seulement, dans les jeudi, dans 305-274-66. Video Production Services paraît pour le bord 4 services pour le prix d'un seul.
1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo. 2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement. 3. Maître de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autre festivité. 4. La remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ce service vidéo, contactez Jodian, Roupi Video Productions, Caboy, un service 4x4 qui pape la gonne en route. 973-517-6308 ou bien 954-729-2214. Prix abordable, la caméra au féminin, image et sonorisation. Les histoires de la semaine avec Roupi. Info sur les stars de la vie. Les histoires de la semaine avec Roupi. Social, culturel et politique. Les histoires de la semaine avec Roupi. Les histoires de la semaine avec Roupi. Nous arrivons dans le finissement de l'émission ça pour aujourd'hui à amis téléspectateurs. Nous ne pouvons pas aller sans que nous ne lancer cette invitation à l'endroit de nous tous et nous chaque qui regardons la télévision et mon capitaine de nous, puisque nous gagnons Roupi Production Television Network qui a célébré 8e anniversaire le samedi 8 juin prochain dans Casa Champette, dans Pembroke Pines, Florida. C'est une soirée qui sera animée par Arosé Troubadour. C'est un gala dansant que nous avons organisé. Et nous toutes nous inviter pour nous capables participer. Nous invitons pratiquement à prendre note de date là, mettez dans le calendrier et puis faire plan pour capable de fêter ensemble avec nous dans belle soirée ça. Dans jour qui vient là, on a plus de détails, mais ce qui est certain c'est que l'excellent orchestre haïtien Arosé Troubadour, c'est lui-même qui prend à l'affiche dans soirée célébration du 8e anniversaire de RPTV dans Casa Champette. N'attend tout le monde. Amis téléspectateurs, sous notre ça, n'a chapé pour nous. N'a pas rendez-vous vendredi prochain pour notre émission Les étoiles de la semaine avec Roupi. Bon week-end. Oh,
Tous les vendredis soirs, 8h, sous Fort Diaspora TV, les étoiles de la semaine, portent lumière sous politiciens, leaders communautaires, artistes, à toute institution, au soir fait marquant de l'actualité en Haïti ou en diaspora. Les étoiles de la semaine, chita sous trois roches d'effet. Politique, les points forts de l'actualité. Social, activité qu'a brassé dans parmi haïtiens. Culturel, bonjour nouvelle sous Atisio. Chaque vendredi soir, 8h, gros écran, petit écran, branché au sous Fort Diaspora TV avec Rupi The Entertainer. Les étoiles de la semaine, pour tes lumières.